Coucou, moi c'est Dali, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans ma balle pour le concours. Donc je commence juste par vous dire que je suis énormément en retard donc, dans mes balles concours. Vous le savez déjà puisque vous n'avez pas encore vu vos créas passer en ligne. Donc ce qu'il faut savoir c'est que moi quand je suis revenue de mes vacances, j'avais une vingtaine en fait de paquets. La semaine où je suis arrivée, il y en a eu encore une dizaine qui sont arrivées. Et là ça ne s'arrête pas en fait. Donc cette semaine, aujourd'hui même, juste aujourd'hui, j'ai reçu 4 colis à Mondial Relais et 4 gros paquets de ma boîte aux lettres. Donc je vais faire au mieux pour faire passer vos créations au plus vite. Mais voilà, le plus important c'est que je montrerai toutes les créas et toutes les participations en vidéo. Donc c'est vraiment ma façon de vous remercier, puisque je ne sais pas comment vous remercier. Vous m'avez vraiment énormément gâté les filles. Donc déjà un grand merci à toutes celles qui m'ont envoyé des participations jusque là. Vous savez que mon concours arrive à fin. Donc dès que j'aurai fini de montrer toutes les participations, à ce moment là donc je ferai une annonce pour le tirage au sort. Donc du coup le tirage au sort il sera retardé à cause de ça. Donc c'est parti, je commence par la participation d'Elisabeth. L'Elisabeth qui me vient de l'Allemagne, donc qui m'a envoyé une très très belle création. Donc, elle m'a envoyé en fait son petit mot comme ça dans une enveloppe comme ceci, très très mimi, avec des très enfantins, donc très mignonne. Et à l'intérieur j'avais comme ça donc des carnets notes comme ça, voilà. Et également donc sa petite carte index comme demandé, donc je te remercie beaucoup. Elle m'a envoyé ce magnifique bloc, donc Tropical Vibes, donc de chez Action, mais qui doit être ancien parce que moi je ne l'ai pas connu. Je te remercie beaucoup, j'adore, il est vraiment sublime. Ensuite donc j'avais également plein de napperons cœur comme ça, je te remercie. Les napperons ça sert toujours. Elle m'a également mis des plumes, donc elle sait que j'aime bien bah, les plumes aussi, voilà. Plein de coloris différents. Et derrière, j'ai les petits chiens comme ça, avec les petits yeux drôles là, qui bougent. Et ce sont des petits stickers. Donc je te remercie énormément. Et avec ceci, donc j'avais également donc ces transferts. Ils sont super beaux. Quoique je ne sais pas si c'est des transferts, si c'est des stickers. Comme ça, avec des fleurs, c'est très délicat. Les petits papillons, donc de l'autre côté aussi, plein de papillons et de fleurs. C'est super joli. Je crois que ce sont des stickers. Voilà, c'est très très beau, je te remercie beaucoup. Et donc, sa petite création, donc, qui est juste magnifique, très colorée. Donc, tout comme j'aime. Donc, ça se présente comme ceci. On a la petite ouverture qui est comme ça. Et ici, donc, on a des petites pochettes avec des checkers. Tout autour, elle a mis des demi-perles comme ça, plein de couleurs et plein de peps. Et derrière aussi, c'est super beau. Comme ça, on dirait en fait que les personnages sont dans un cadre. Donc, c'est vraiment super beau. Ça fait rappeler bah, du coup la jungle, tout ce que j'aime. J'adore les petits checkers, super beau. J'aime beaucoup le fait qu'elle ait utilisé en fait les demi-perles pour faire comme ça, comme des cadres. C'est super joli et c'est une très bonne idée. Ça s'ouvre avec des scratchs et en fait, elle m'a fait ça comme une pochette accordéon. Donc, c'est comme ceci, voilà. Donc, avec plein de différentes pochettes qu'elle a faites à l'aide d'enveloppes. Et bien évidemment, les pochettes sont également garnies. Donc, elle m'a mis des bling strass comme ça. Donc, ce ne sont pas ceux d'Action. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais ils sont super jolis aussi. Ça ressemble, mais c'est un peu comme des facettes. C'est pas exactement les mêmes. Ici, elle m'a mis plein de étiquettes comme ça. C'est super sympa. C'est un peu comme des die-cuts, donc ça pour justement mettre dans mes envois, c'est super cool. Ici, donc des stickers transparents en forme de plume, donc très très joli. J'aime beaucoup. Et hop, dans la dernière pochette, j'ai plein de die-cuts. Et en fait ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais dans chaque pochette, en fait, elle a mis un élément, voilà, comme ça. Elle a décoré à chaque fois les pochettes avec des petits stickers aussi tropicales. Et donc, c'est die-cut. Et donc, elle m'a mis plein de die-cut comme ça. Donc, ils sont juste magnifiques. Ça peut faire un peu style un peu vintage, un peu... ouais, j'aime beaucoup. C'est super beau.
J'aime beaucoup, beaucoup. Je te remercie énormément pour tous ces petits cadeaux et toutes ces petits plus parce que vraiment tu m'as énormément gâtée. Donc elle est vraiment super belle sa pochette. Je te remercie énormément. Elisabeth, malheureusement, elle n'a pas de chaîne ni de YouTube, ni de Facebook, ni d'Instagram. Donc voilà, je te remercie énormément pour tout ce que tu m'as envoyé. Ensuite, donc je passe à l'envoi de Sylvie, Sylvie P. Donc Sylvie P, elle a un Instagram, c'est Sylvie_P_52. Donc c'est également son pseudo sur YouTube. Et en fait, elle poste ses petites créations et ce qu'elle réceptionne également sur son Insta. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, je vous le mettrai en barre d'infos. Elle m'a énormément gâtée aussi, comme vous pouvez le constater. Donc elle m'a envoyé des petites fleurs blanches comme ça, comme celle de chez Action, mais plus grande. Super belle, je te remercie. Elle m'a envoyé des petits moucherons comme ça, des grosses mouches, pas des petits moucherons. Donc comme ceci, donc ça c'est pour Halloween, c'est très bien. Elle m'a envoyé ces petites fleurs, je les trouve super jolies en acrylique. Elles sont trop mimi. En fait, ça fait deux petites, une grande avec les feuillages et tout est inclus dans une fleur. Alors c'est vraiment super beau. J'aime beaucoup, je te remercie. Elle m'a mis également des petits sachets en organza comme ça, décorés en argent avec des papillons. Donc c'est super beau, là pour la période des fêtes aussi, c'est super joli. Elle m'a mis des tamponnages, donc ici des tamponnages avec les animaux comme ça, un peu géométriques. Il y avait un chien, il y a le chat, il y a plein de petits animaux comme ça, donc je te remercie beaucoup. Et ici en fait des tamponnages de magnolia, il y en a plein différents aussi, donc je te remercie énormément. J'adore cette petite poupée, je la trouve trop mimi. C'est après, moi, j'aime pas trop les personnages, c'est pas trop mon délire. Mais c'est vrai que celle-ci, je la trouve même limite plus mignonne que la Gorgeous. Et coloriée, ça donne vraiment quelque chose de très sympathique. Après, c'est pas trop ce que j'aime scraper, voilà, c'est pas ce que je préfère. Ensuite, donc, elle m'a mis plein de capsules altérées Gorgeous. Voilà, donc avec plein d'images différentes, de coloris différents. Je te remercie énormément. Très très belle. Et pour que je puisse faire moi-même mes capsules altérées, elle m'a envoyé en fait plein de capsules déjà écrasées. Voilà. Donc elle a écrasé elle-même. Donc je te remercie beaucoup. Ça sert toujours. Alors je vous avoue que j'en ai pas encore fait. J'ai pas encore eu le temps de faire des capsules altérées. Mais j'en ai. Donc c'est voilà. C'est juste une question de temps. Ensuite, donc elle m'a mis. Et je trouve ça super beau parce qu'à chaque fois je vois ça dans mes envois et je ne sais pas d'où ça vient. Donc je suis super super contente et super ravie que tu m'en aies envoyé. En fait ce sont des petits trucs comme ça, vous savez à chaque fois je dis j'aime trop ces petits trucs qui bougent parce que comme c'est avec du fil un peu de pêche, bah du coup en fait quand on fait comme ça, bah ça bouge et je trouve ça super bien. Elle m'en a envoyé vraiment beaucoup. Voilà, il y a 4 gros paquets dont chacun il doit y en avoir à peu près une dizaine. Donc vraiment, je t'en remercie. Il y a 2 coloris différents, du rose pastel et du champagne. Voilà, merci beaucoup. Ensuite, donc j'avais sa petite lettre, donc où elle m'a écrit son mot et sa petite carte index également. Et ensuite, donc avec ceci, elle m'a joint 3 magnifiques ATC. Donc la première, c'est thème 31 octobre, c'est la une d'une série de 4, donc c'est pour Halloween, donc je la trouve très très jolie. Voilà, donc, la petite gorgeous bébé, le château derrière comme ça, ici c'est écrit 31 octobre. Elle est assise sur un potiron, donc je trouve ça très mignon. Donc elle a joliment colorié au feutre à alcool, donc c'est très joli, je te remercie. La deuxième, donc c'est un ATC pour mon anniversaire, donc elle est très jolie. Donc c'est écrit joyeux anniversaire, la petite poupée là avec avec les yeux bandés, en fait avec l'âne comme ça qu'on doit taper dessus jusqu'à ce qu'il se casse. Et du coup il y a des confettis, des bonbons qui tombent de partout. Bon après je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est super joli. Et j'aime beaucoup ton ATC. En superposition comme ça, derrière, en fait, c'est un feuillage d'automne de chez Action, en tissu, qu'elle a mis. Et c'est embossé également. Donc, super joli, c'est la une de une. Donc, joyeux anniversaire d'Ali, c'est son thème. Et pour terminer, donc, j'ai celui-ci, qui est aussi très mimi. Il s'appelle Coucher de soleil. Voilà. Et donc, on a une magnifique tête de girafe, comme ça. Avec ici des zèbres derrière et en fait ça fait vraiment un paysage un peu africain. Donc je trouve ça super beau.
Voilà, je te remercie. Elle est très belle et c'est la 4 d'une série de 6. Donc, elles ont été faites par Sylvie. Donc, Instagram, Sylvie underscore P underscore 52. Et donc, sa création pour le concours, une magnifique pocket letter. Voilà, très très belle. Donc, ici, c'est écrit « Hello ». On a un papillon, le fond, donc c'est elle qui l'a fait elle-même, donc super beau, vous voyez. On dirait en fait une tache de peinture comme ça, donc je trouve ça magnifique, avec un papillon, donc tout rappelle en fait à ce que j'aime aussi, et très très beau fond qu'elle a travaillé elle-même, avec de la peinture, je pense que c'est de la peinture acrylique, et après bah, en fait elle a fait des petits tamponnages également. Et ensuite, donc, elle a décoré certains des ATC avec des petits stickers comme ça, miroir. À l'extérieur, en fait, on retrouve donc les papillons et cette petite fleur avec justement les... Vous voyez les petits trucs qui bougent là, j'aime trop. C'est trop beau. Et là, une belle petite feuille comme ça en métal. Voilà, c'est super beau. J'adore cette découpe de papillons comme ça en dentelle. Et donc ici, elle a attaché à chaque fois avec des beaux rubans. Donc merci beaucoup pour cette magnifique pocket letter. En fait, elle m'a dit que comme c'était serré pour mettre les scrap bidouilles derrière, elle me les a mis de côté. Voilà. Donc tout ce que vous avez vu, ce sont donc les scrap bidouilles que normalement sont censés mettre derrière la pocket letter. En fait, la petite phrase en bas, donc c'est écrit « On croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux ». Voilà, donc c'est une très belle phrase aussi, donc j'aime beaucoup, j'adore ta pocket letter, merci beaucoup, je vous la remontre. Très très belle, sublime. Merci beaucoup Sylvie. Ensuite, donc pour terminer cette vidéo d'Omabad, je vais vous montrer les créations de Virginie. Donc Virginie qui m'a envoyé un très beau flipbook. Et en fait, ça venait emballé dans du papier craft. Et avec ce ruban comme ça, et trois petites pinces à linge. Pince en bois en fait, avec des petits personnages comme ça en feutrine. Donc je trouve ça super joli. Donc le premier, donc c'est un écureuil. Comme ça, voilà. Après ici, j'avais un feuillage d'automne, comme ça, voilà. Et ici, donc, un magnifique hibou, très très beau, très très joli. Je trouve ça super mimi. Donc, merci beaucoup. Ensuite, donc, en fait, elle m'avait également envoyé quelque chose pour mon anniversaire. Donc, c'est écrit pour Dali le 28 septembre. C'était fermé avec un petit sticker en plume comme ça. Et regardez sa carte. Elle est toute en délicatesse. Je la trouve magnifique. Donc, elle a mis, en fait, un papier vellum comme ça. Elle a entouré avec toutes ces petites perles comme ça, un peu orientales que moi et Chris en adore. Et, en fait, ici, donc, ce papier plume brillant que je trouve super joli. Et donc, à l'intérieur, j'avais également un ATC qui venait dans une petite pochette vellum comme ça. Et elle sait que j'aime bien les cactus, donc elle m'a fait en fait une ATC cactus qu'elle a coloriée elle-même aussi avec des feutres à alcool. Et le fond, il me semble que ce sont des distress. Et donc, c'est la 4 d'une série de 4. Le thème, c'est Fiesta Cactus. Et elle a été faite le 14 septembre. Sa page Facebook à Virginie, c'est les créations de Nini88. Par contre, elle n'a pas de Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir son Facebook. Je vous le mettrai de toute façon en barre d'infos. Donc, je te remercie beaucoup pour ta petite carte et ton petit rappel pour mon anniversaire. Ensuite, donc, sa magnifique carte donc pour mon concours qui se présentait comme ceci, donc dans le thème de l'automne, les joies de l'automne. Elle m'a mis une petite pince à linge aussi avec un papillon, donc cette fois-ci, c'est une découpe en bois. Voilà. Et j'aime beaucoup donc les petits die-cuts ici et ici avec les champignons, le petit écureuil. Et le fond est très très joli. Je ne sais pas d'où vient ce papier, mais il est magnifique. Ensuite, donc quand on ouvre, j'ai son petit mot. Et ici, j'ai sa petite carte index. Son pseudo YouTube, c'est Virginie V. Voilà. Donc si jamais vous la voyez en commentaire et que vous voulez lui parler. Et en fait, sa petite lettre tenait avec un petit paperclip en forme d'ananas. Donc le côté tropical aussi qui y est. Donc vraiment, beaucoup de choses qui me plaisent. Donc t'as pensé à tout. Donc je te remercie beaucoup pour ta carte, elle est très très belle. Et son flipbook, donc il se présente comme ceci. Toujours dans le thème automnal, on a le petit bombi ici. On a ici avec la feutrine un feuillage comme ça d'automne, coloris ocre. On a également le petit hérisson, les petites fleurs ici, très joli. J'aime bien le petit champignon puffy. Tout
tout seul, là, tout mignon. Et en fait, à chaque fois, elle signe ses créations avec un autocollant comme ça. Et c'est écrit les créations de Nini 88. Voilà. Donc, hop. Très, très joli. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Ici, donc, on a plein de tags de différents coloris. Donc, qu'elle m'a mis comme ça en cadeau. Sa petite pochette, très jolie, comme elle a fait en biais comme ça. Et ici... Donc, elle m'a mis également des mandalas comme ça, donc à colorier. Et cela, donc déjà avec le foil doré comme ça. Et ici, à colorier aussi, donc elle les a coupés en forme de tag. Donc, très joli. Voilà. Ici, donc, elle m'a mis plein de tamponnages. On a également des sentiments. Ici, je pense que ce sont des petits ballons en forme de cœur. Donc, vraiment très, très joli. Je te remercie. Je ne vais pas les montrer au détail parce que j'ai vraiment beaucoup de créas à montrer. Mais je te remercie énormément. Tu m'as mis un paquet. Ensuite, donc, elle m'a mis des feuilles embossées comme ça. Donc, très joli aussi. Très, très belle plaque à embosser, celle-ci. Et en fait, j'en ai deux autres comme ça avec des fleurs. Et c'est écrit « Forget me not ». Donc, ne m'oublie pas. Très, très belle aussi. Avec les coins comme ça travaillés. J'aime beaucoup, donc je te remercie. Cette page-là a été décorée avec un écureuil en feutrine aussi. Elle m'a mis deux serviettes comme ça, donc thème automne. Donc j'ai celle-ci avec tous les petits chouettes et les petits hiboux. Et j'ai celle-ci avec un écureuil, le feuillage d'automne comme ça et l'arbre dénudé derrière. Donc très très beau. Donc je te remercie beaucoup pour ces deux serviettes. Pareil, j'ai pas encore eu le temps de faire du serviettage. J'en ai acheté moi-même des serviettes mais j'ai pas encore eu le temps de les travailler. Ensuite donc ici elle m'a mis, donc à chaque fois c'est écrit en bas ce que c'est. Donc embellissement maison, tout à l'heure c'était écrit tamponnage aussi ici. Une super jolie écriture. Et donc, elle m'a fait des petites fleurs comme ça montées en 3D. Je te remercie beaucoup. C'est avec, je pense, les dies de chez Action. Ici, donc, j'ai un petit sachet avec plein de petits feuillages comme ça en feutrine. De différents coloris. Donc, je te remercie beaucoup. J'en ai pas trouvé, moi, comme ça en feutrine. J'ai trouvé que en bois et en plastique chez Action. Donc, c'est super sympa de m'avoir envoyé. J'aime beaucoup. Et donc c'était accroché comme ceci, mais je peux retirer après la pochette. Donc ici elle en a mis une. Et ici donc c'est écrit découpe, voilà. Et donc j'ai plein de petites découpes. Elle m'a également en fait glissé un tampon. Et dans ce tampon c'est écrit un grain de folie. C'est le secret du bonheur. J'adore. Super beau ce tampon. Je te remercie énormément pour ce... Pour ce petit cadeau, ça me touche beaucoup. Et merci pour ta création qui est magnifique. Merci à toutes pour vos envois. Je suis vraiment gâtée et vous me gâtez énormément et je vous en remercierai jamais assez. Bien sûr, toutes vos participations sont validées. Je vous dis à très bientôt. Si vous aussi, cette petite vidéo vous a plu et les créations de mes copinettes vous ont plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ciao, ciao !